Ah merde! Ah, j'ai oublié qu'il fallait d'autres trucs encore. Oh merde! Ben non. Finalement, tu vas monter la garde et toi tu vas partir collecter. Et on va aller. Ah bah là. J'arriverai pas à lui s'attirer en fait. Elle fait pas de bruit. J'arriverai pas à avoir le sniper. Merde! Ils m'ont baisé la gueule là. Les salauds. Il est juste en dessous. Tiens par là.
Ah, la pauvre. Ah, la pauvre, elle s'en est pris, mais alors plein la gueule. Et en plus, elle a de graves blessures, la pauvre! Enfin, ce qui est cool, c'est qu'elle ramène des armes. Et pas n'importe quoi. Je crois que le sniper, t'en as qu'un seul dans le jeu. C'est pas cool pour elle. Mais bon. Erika est de vilaine blessure, ça a l'air plutôt grave. Erika, qui c'est qui va la soigner? Toi. Ils ont mangé hier, il me semble. On va garder ça au cas où. Elle a de graves blessures, mais elle est de bonne humeur. Ok. Si tu veux, hein. Écoute, hein. Moi, ça me pose, mais alors, aucun problème.
tout hasard, je vais faire à manger. Donc, elle va dormir, lui il va partir collecter, lui il va monter la garde, elle, elle va monter la garde, et on va retourner, au chantier. Bon, vous n'êtes pas obligé d'affronter les militaires, hein. Moi, je l'ai fait parce que j'avais envie de leur flingue. Normalement, Erika, elle devrait pas se faire repérer. Je sais pas comment ça se fait qu'elle s'est fait repérer. Si vous les affrontez pas, les militaires, comment expliquer ça? Vous revenez le jour suivant, ils sont plus là. Hein. Je me demande si je peux descendre par là. Non, je ne peux pas.